Les anastomoses porte-cave sont importantes à connaître car à l'origine de nombreuses pathologies. Le tube digestif abdominal est principalement drainé dans le système porte. Cependant, l'œsophage thoracique est drainé par la veine azygos qui se jette dans la veine cave supérieure et la portion terminale du tube digestif, le rectum et le canal anal, est drainée par la veine iliaque interne et donc la veine cave inférieure. Par conséquent, le drainage des extrémités du tube digestif abdominal se fait vers deux systèmes, le système cave et le système porte. Il existe à ce niveau des anastomoses porto-cave. Ces anastomoses sont présentes à l'état normal, mais très peu fonctionnelles et de petit calibre. En cas de pathologie hépatique, comme par exemple une cirrhose, qui va empêcher le sang du système porte d'arriver normalement au foie, eh bien il va se produire une hyperpression dans le système porte. Le sang va ensuite refluer dans les branches de la veine porte, à l'origine d'une dilatation de ces anastomoses porto-cave, devenant alors des varices, et le sang va refluer via ces anastomoses dans le système cave. Cependant, ces varices sont extrêmement fragiles, avec notamment pour l'œsophage, un risque d'hémorragie massive par rupture de varices œsophagiennes. Les autres anastomoses porto-cave peuvent se faire entre la veine splénique et la veine rénale, qui vous voyez est juste derrière, la veine rénale gauche, la veine ombilicale et les veines cutanées de la paroi abdominale, se drainant dans la veine iliaque externe, et puis des veines anastomotiques au niveau du côlon et du duodénum, qui peuvent rejoindre aussi des veines lombaires et le système azygos. Il peut donc exister à ces différents niveaux une hyperpression de ces anastomoses porto-caves, à l'origine d'une dilatation variqueuse, pouvant finalement aboutir, notamment au niveau œsophagien, à des hémorragies massives. Les signes cliniques d'une hypertension portale témoignant d'un reflux dans les veines du système porte et dans les anastomoses porto-cave sont par exemple une splénomégalie, si le reflux se fait principalement dans la veine splénique, aboutissant à une volumineuse rate qui va devenir palpable, un vomissement sanguin ou hématémèse lié à une rupture de varices œsophagiennes. C'est une des principales causes de mortalité du sujet cirrhotique. Si ces varices se développent autour des veines ombilicales, elles vont entraîner une image évocatrice de tête de méduse para-ombilicale, correspondant à une dilatation des anastomoses entre la veine ombilicale reperméabilisée et les veines de la peau abdominale.